Regardez-moi ça. Mais aide-moi, fais quelque chose au lieu de rester là. Esteban, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est joli. Hop, mets le matelas ici, on va la déposer et on va la transporter comme ça. Ah mais je suis où? Mais je suis où là? Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Attention, attention, on y va. Yura est en train de dormir. C'était quoi ça? C'était une pluie de cœur. Pourquoi? Parce que 3, 2, 1, Prank Story! Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on est super content de faire. Parce qu'aujourd'hui, Esteban, on va faire un prank. Déjà, on a retapissé la chambre, oui, regardez, voilà, avec des petits cœurs. Ça veut dire quoi les petits cœurs? Ça veut dire abonnez vous! Activez la cloche! Mettez un like! Elle connaît tout par cœur, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va faire un prank story. Oui. On va pranker Peppa Pink. Je pense que je vais te pranker, tu vas pas me pranker, ouais, tu vas être gentil. Si, je vais te pranker. Bon, allez, vous êtes prêts, les amis? C'est parti! Go! C'est parti pour le premier prank. Alors, un accessoire que vous connaissez très bien, la machine à fumer. Sauf que là on va faire un prank qu'on n'a jamais vu. Je l'ai jamais vu, peut-être sur TikTok, je sais pas, quelqu'un l'a fait. On va mettre la machine à fumer dans la voiture. Et on va faire croire, et on va faire croire à notre père que la voiture est en feu. Et allez, c'est parti, on va mettre ça en place. Regardez-moi ça, ce qu'il y a là. C'est la machine à fumer. La machine à fumer, donc, qui est présente dans la voiture. On l'a mise devant chez nous, on l'a reliée à une prise électrique, tout ça, enfin c'était vraiment une galère de faire ça, donc là attends, on l'a fait fumer ou pas? Ouais. Voilà, donc là on a ouvert une porte parce que regardez, voilà, elle commence à fumer. Donc voilà, là j'ai ouvert ça, vous inquiétez pas, j'ai les clés, tout ça, il n'y a rien. Et du coup, regardez-moi ça, la machine à fumer. Je l'allume et regardez, en quelques secondes, ce qui va sortir de la voiture. C'est horrible, donc regardez. On va faire ça. Et là, regardez, le capot ouvert plus la fumée qui sort comme ça, il va trop y croire. Peppa Pink, réveille-toi. Réveille-toi, il y a eu un... Comment t'es habillé là? Il y a eu un problème avec la voiture, tiens. Pourquoi c'est clé? Il y a eu un problème avec la voiture. Non, qu'est-ce que t'as encore fait? Il y a trop cru. Je vais rester ici, je vais arriver après. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe avec la voiture là? Esteban, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Le moteur, mais qu'est-ce que t'as fait, Esteban? Mais aide-moi, fais quelque chose au lieu de rester là. Bah non, moi c'est bon, je te regarde en train de faire. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Esteban, je sais pas, il a voulu réparer quelque chose. Mais puis... Non, mais moi je laisse faire, Oh non, c'est quoi ça? C'est un prank? Bah, c'est une machine à fumer ça. Oh, tu m'as eu là. Non, mais ça va pas de faire des choses comme ça là. Et Liros qui a mis 15 ans à venir. Bah alors t'en penses quoi du prank? Regarde, la machine à fumer. D'accord. Vas-y, ouvre la porte. Bah, c'est astucieux quand même. Ouvre la porte et regardez. Regardez la machine, elle va à balle comme ça. Oh punaise, tu m'as vraiment pranké. C'est la fumée normale, il n'y a rien de dangereux. Par contre ça pue, ouais. J'ai eu peur, Bah allez, on peut rentrer. J'espère que tu vas pas te venger. Bah si, alors là t'inquiète, je vais me venger. Bon allez, on rentre ça et c'est parti pour le prochain prank. Peut-être que ça sera Lily Rose. Ouais. Allez viens, j'ai une idée de prank. Ouais, vas-y, explique-moi là. J'espère qu'on va bien pranker cette fois. On va dire à Esteban, alors pour 100 €, est-ce que t'arriverais à peindre la façade de la maison? Ouais, d'accord. Voilà. Ensuite, et après, quand il va peindre et tout ça, on va attendre un peu et on va lui jeter un seau d'eau sur la tête. Ah ouais, moi je serais à la fenêtre avec un seau. J'attends qu'il peint et puis... C'est ça. Enfin, c'est moi qui vais jeter les odos. C'est toi qui verse. Comme ça, ça va être méga drôle. Ah, allez, ouais, on fait ça. D'accord. Oh, ouais. On va bien se plonger. On va tout l'eau sur la tête. Esteban, viens, on a quelque chose à te proposer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais que vous allez me pranker. Je vais pas me laisser faire, hein, pas comme les dernières fois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, j'ai quelque chose à te proposer. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, est-ce que pour 100 € tu peins la façade de la maison? Mais pourquoi je peindrais la façade? Elle est en briques, on va pas peindre des briques. Oui, mais la façade, tu sais, où il y a des petits morceaux qui sont partis là. Ouais, donc je dois la peindre. Oui, bah pour 100 €, ça te plairait. Ok, bon, pour 100 €, mais je veux avoir les 100 € d'abord. Oui, t'inquiète pas. Je commence maintenant là? Oui. Vas-y. Je prends l'échelle, je peins la façade. Oui. Et Peppa Pink, t'es d'accord? Ah oui, tout à fait, justement, je suis d'accord avec Lily Rose. Oh, on l'a bien eu, il va commencer à peindre et on va lui jeter un magnifique seau d'eau. À un moment donné, je pensais pas qu'il allait croire. Un seau d'eau froide. D'eau froide? Oh là là, il va pas être content, hein. Bon, allez, pour 100 €, je vais bien peindre leur truc. C'est eux qui vont se faire avoir. Et avec les 100 €, j'achèterai un truc pour les pranker. Allez, c'est parti, on va faire ça le plus rapidement possible et je vais avoir mes 100 €. Ça marche pas ces pinceaux là, il y a même pas de peinture dessus. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié de la mettre.
Et Lily Rose, regarde, oui. J'ai rempli une casserole pleine d'eau. Elle est froide. Ouais. Elle est gelée. Alors, vas-y, tu la prends. Ok. Je vais t'ouvrir la fenêtre. Ok. Et puis, quand il se met à peindre, hop, toi. Ok, vas-y. Allez, on y va. On y va. Ah, trop bien. Oula, ça fait mal. Oula, j'ai failli tomber de l'échelle. C'est bizarre, j'entends du bruit d'en haut. Bon, et 3, 2, 1. Ah, mais ça marche toujours pas ce pinceau là. Ça vaut combien de navets ce truc? C'est pourri. Ah, ah. Mais c'est joli. C'est joli. C'est quoi ce truc? Qui a fait ça? C'est Lily Rose, regardez là. C'est Lily... Ah, punaise. C'est Lily Rose. Je suis trempé. Mon pantalon, l'échelle, tous mes chaussettes, regardez par terre. T'es sérieuse? T'es sérieuse, toi? Bah oui, je suis sérieuse. Regardez-moi ça. Oh, on t'a bien eu, hein. Ah, mais oh, t'étais là, toi, t'étais derrière la camionnette en train de filmer. Punaise, mais on va faire quoi? Alors, là, Lily Rose, je te le dis, je te le dis, je vais me venger, regardez toute l'eau qu'ils ont mis devant chez nous, toute l'échelle est trempée, donc mes 100 euros, c'était... Oh, ça sent l'humide. Mes 100 euros, c'était mort, du coup. Bon, allez, je rentre, je m'essuie, et je vous promets que Lily Rose, elle va avoir le prank de sa vie, elle va remettre, c'est sûr et certain. Allez, rentre. Oh, ça pue, regardez la façade de la maison là. Ah, ça sent le... Allez, vas-y, rentre ou je t'éclabousse là. Ah, mes chaussettes. Allez, non, et toi, Peppa Pink aussi. Tu vas me pranker. J'ai dû me laver à cause de votre prank là. Ouais, je me suis changé, c'est bon, t'as pas vu le truc, mais toute la rue était à sa fenêtre là. C'est, voilà, les gens ne pouvaient plus. C'est le meilleur prank que j'ai fait. Mais attends, j'ai une petite idée d'un pire prank pour Lily Rose. Là, elle va pas être prête. Ah bon? En gros, on va attendre qu'elle dorme là tranquillement sur son petit lit. Voilà, comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son matelas, on va la déplacer et on va la faire dormir. On va déposer son matelas avec elle en train de dormir dessus, dans un endroit qu'elle connaît pas. Et on va attendre. Comme ça, elle va se réveiller dans un endroit qu'elle connaît pas dehors, mais là-bas, hein, dans un parc loin, dans la forêt. Hein. Allez, Lily Rose, c'est bien. T'as fait tes devoirs. C'est l'heure. Tu sais, c'est l'heure de dormir maintenant. Hein. Tu m'as l'air très fatigué. T'as passé une rude journée. T'as fait du basket. Allez, on va éteindre la lumière. Et tout là. Allez, hop. Allez, au lit. Allez, on a plus le temps. Tu te reposes. Allez, vite, viens. Viens. Allez, bonne nuit. Ferme la porte. Donc en fait, Lily Rose est pas choquée. Elle a pas regardé l'heure, mais il est 18h. Elle est tellement fatiguée aussi. Voilà, donc elle fait du basket, tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bah on va aller la chercher. On va attendre 5-10 minutes qu'elle dorme et on va prendre son matelas. On va la transporter. Elle dort en 5 minutes, elle ronfle de toute façon. Allez, c'est parti, on va la déposer. Allez, vas-y, rentre. Ça t'en fait pas trop. Vas-y, rentre. Donc là, Lily Rose est en train de dormir. Il va falloir prendre. On va la mettre sur un autre matelas. Ouais, attends, on va aller le chercher. Vas-y, va chercher un petit matelas, le petit matelas qui est en haut. Attends, moi je vais regarder. Est-ce qu'elle dort bien? Il va falloir prendre ses couvertures, ses coussins, un doudou pour pas qu'elle trouve ça bizarre et c'est parti. Allez, vas-y. Donc là, il y a le matelas qui est arrivé. Vas-y, non, mais viens. Viens. Hop, mets le matelas ici, on va la déposer et on va la transporter comme ça. Allez, vas-y, transporte-la. Et là, on se retrouve une fois qu'on est dehors, une fois qu'on peut la transporter et c'est bon. Bon, voilà, donc là, Lily Rose est là en train de dormir. Voilà, donc là, c'est bon, on va la laisser là. Et on va rester dans les coins, dans un coin là-bas pour voir quand elle va se réveiller parce que ça risque d'être assez épique. Fais pas trop de bruit, Stéphane. Ouais, on va pas faire trop de bruit, surtout qu'il y a des gens là-bas. Allez, vite, on y va. Donc là, voilà, elle est là-bas. Et on attend qu'elle... Non, reste là. Si on s'éloigne trop, après elle va avoir peur quand elle va se réveiller. Et on va voir sa réaction. Ah, mais je suis où? Mais je suis où là? Quoi? Mais pourquoi je suis sur un matelas? Mais ils m'ont tranqué, c'est sûr. Vous êtes là? Eh bah oui, on est là. On t'a bien eu. Vous êtes pas gentil. Ah bah voilà. Tiens. Alors, et pendant 3 secondes, t'as flippé là, c'est sûr. Mais ouais. Mais vous êtes fous. Il y avait même des gens qui sont venus voir et tout. Ils se sont dit, mais elle est toute seule ici, c'est pas possible. Bon, allez. Bon, vite, on retourne à la maison. Ils partent là-bas, ils se sont dit, mais c'est horrible. Bon, allez vite, on retourne. Tu vas te venger ou pas? Tu vas te venger? Ouais. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Attention, clique sur une vidéo qui apparaît. Regardez, il y a encore des cœurs. Il y a plein de cœurs partout. Voilà, les cœurs, c'est. En tout cas, vous m'avez bien eu. C'est pour vous, les cœurs.